Cevel est une entreprise adaptée implantée sur le territoire breton depuis 1983. Des équipes d'espace vert de Cevel interviennent pour les entreprises, collectivités et particuliers. C'est le cas notamment sur un des sites de la communauté de communes du pays de Landivisiau. Laurent, salarié à Cevel, travaille avec un autre collègue ayant comme lui une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sur des postes adaptés. J'avais une RQTH et je cherchais du travail et j'ai vu qu'il y avait un poste disponible à Cevel Morlaix. Je suis agent d'entretien d'espace vert et aussi un peu de création de jardin pour les entreprises et les particuliers. Cevel est une entreprise adaptée, m'a formé au permis EB et à la mini-pelle. Ils sont à notre écoute, ils comprennent nos difficultés et s'ils ont besoin, ils viennent pour nous conseiller, pour nous adapter. Je me sens mieux dans cette entreprise-là que dans une entreprise ordinaire. Mon rôle, c'est d'organiser l'activité des salariés de l'agence de Morlaix. Il faut aussi veiller à ce que les salariés puissent travailler en toute sécurité tout au long de l'année sur tous les chantiers. On s'adapte au quotidien par rapport aux pathologies et aux restrictions médicales de chaque salarié. Ça veut dire que tous les jours, on se pose la question de savoir qui peut faire quoi. On fait vraiment attention à ne mettre aucun salarié en difficulté. Un client qui nous contacte ou un futur prospect, c'est la garantie d'avoir un travail de qualité. En tout cas, on s'efforce tous les jours à faire le meilleur des travaux. C'est aussi un engagement fort au niveau sociétal et social. C'est aussi valoriser le travail de personnes en situation de handicap qui auraient peut-être des fois du mal à trouver un travail dans une entreprise classique. On a un fort taux de satisfaction. Nos clients sont généralement plutôt contents. C'est plutôt valorisant pour nos salariés et plutôt agréable au quotidien. Faire appel à Cevel permet de renforcer l'engagement sociétal de votre entreprise en favorisant l'emploi de salariés en situation de handicap.